Très varié, c'est très varié, mais c'est vrai que souvent je suis inspirée par des films, par des voyages, par des photos. Je pense que d'être une créatrice pour la mode masculine est tout simplement un regard divers par rapport aux autres créateurs. Donc il y a peut-être juste une différence sur la construction d'une collection et même les pièces qui sont peut-être beaucoup plus adoucies, qui a moins ce côté un peu show-off. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de faire de l'homme, c'est tout simplement, bon, j'étais un peu garçon manqué quand j'étais plus jeune, mais surtout quand j'ai fait mes études en 3 ans de chez S-Mode, j'ai tout simplement trouvé une facilité de créer pour les hommes, créer l'homme idéal. Un homme idéal. je ne l'ai pas encore tout à fait défini, on va dire, mais c'est certes que c'est quelqu'un qui est très international, qui aime voyager, qui aime prendre soin de son vestiaire. Porte importance à comment il se présente. En fait, il y a des mannequins que j'adore. D'un point de vue professionnel, bien évidemment. Fait, je trouve qu'ils ont, ils ont plus une élégance qu'une beauté. Après, ça change de jour, ça change des saisons, ça change. C'est aussi comment les mannequins ils sont personnellement. Ça change aussi, ça apporte quelque chose de nouveau. C'est ça, on n'a pas vraiment de dégéré, on va dire. En personnalité. Après, les mannequins, on les choisit par rapport à une fraîcheur, à une masculinité, à une présence. Voilà. Well, he's a